Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous revoici sur Kingdom Two Crowns. Voilà, contrairement à ce que j'ai dit à l'épisode précédent que personne n'a relevé, plutôt pas mal. Bon là, je viens de recharger la partie, donc on a l'impression qu'il y a de l'herbe, c'est le bonheur, mais pas du tout. Hein. Là, c'est vraiment le début de l'hiver. Voilà, j'ai rien avancé du temps, à peine une journée, quoi, même pas. Et voilà, je reviens, je me dis bon, bah on va faire l'hiver ensemble. Ça va être bien. Bon, qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire? Bah, toi déjà, donne du fric. Non. Ouais, bien. J'ai eu peur que ça soit l'hôte de la maison qui me donne du fric, mais non. Un arc. Ici, est-ce qu'on a des mendiants? Bah, pour l'instant, on a du pain. Hein. On a de la brioche qui nous attend. Donc, ça, c'est pas mal. Ici à droite, qu'est-ce qu'on avait dit? On voulait au cas où ceci. On va faire un gros muret là. Voilà, comme ça, s'ils détruisent ce mur-là, ce qui est peu probable hein, vu les compétences de mes archers. Je n'ai aucun doute là-dessus. On va quand même faire muret. On va le maxer, bien sûr. De toute façon, on a le temps là. C'est l'hiver. Il n'y a pas de quoi se stresser. Là, il faut y aller gentil, quoi. Ça vaut du fric. Hein. Ça, c'est beaucoup de fric. Et on en a un autre identique à faire. Et l'argent, rappelez-vous, ne rentre plus. On a encore un peu de fric à la maison. Et on a quand même le mec qui va nous faire des allers-retours. Je pourrais essayer de jouer avec les biches pour les ramener, mais alors... Bon, avec le dieu cerf, c'est marrant parce que c'est facile. Mais là, avec le griffon, non merci, quoi. Il est là. Il attend sa piécette, alors si je lui redonne pas la pièce, quelle erreur. C'est le seul qui me ramène du fric. Bon, ici c'est pareil, c'est-à-dire si le muret tombe, bah, ils ont rien derrière. Pour se réfugier, c'est la course. Hein. La course folle jusqu'à la base et ça nous va pas. On a... De quoi? Et d'où ils sortent tous fric, les mecs? C'est génial! Mais d'où? Mais d'où? Catapulte Jean-Louis, vas-y. On te regarde de loin. Hein. Voyons voir un peu les vagues ennemies. Bon, logiquement c'est géré. Hein. On aime bien voir les démons se faire dépouiller quand même. Hein. On est un peu sadique. Avancez. Là, on a largement assez de fric pour faire une tourelle au max. Et rappelez-vous à gauche, il n'y a plus qu'un seul portail, l'énorme portail. Il n'attend que notre bombe. Donc l'objectif, c'est de défoncer à droite. C'est surtout à gauche qu'on veut de la défense. Bon, étant donné qu'il y a au moins deux portails à droite, il y a le potentiel qu'on ait une contre-attaque à droite aussi. Faut pas l'oublier. Mais on est sûr qu'à un moment, quand ils vont être bien énervés, c'est par la gauche hein, qu'ils vont attaquer. Ah bon, on sait qu'il y a du fric ici, donnez. Alors ça c'est un muret. Alors celui-ci là, le muret là m'intéresse. On pourrait faire la tourelle ici. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça va nous demander beaucoup d'argent ça. Et beaucoup de précision aussi dans le mouvement. C'est-à-dire que
Si on veut faire ce muret ici, il faut d'abord défoncer la petite forêt qui est là. On aura comme ça accès à la tourelle où je suis juste devant. Mais c'est assez loin. Bah, c'est assez loin, ça va. Hein. Regardez, c'est juste là. Ils ont un peu de route quand même. Les travailleurs, ils ont un peu de route et tout ça. Donc il faut peut-être se dire, on fait celui-là d'abord en pierre pour commencer. On laissera un pierre un moment et après, comme ça, on peut venir ici. Peut-être je le fais à fond quoi. Je vais encore perdre du temps sur cette partie, cette map, hein, cette île, parce que déjà parce que c'est l'hiver, donc forcément on perd du temps. Mais je vais jouer prudence. On va jouer prudence et on va essayer de se développer intelligemment. Une tourelle c'est bien là-bas, une tourelle, un muret comme ceci énorme, c'est très bien. Mais j'ai peur que ça ne suffise pas contre des attaques des démons, les gros démons, les démons volants, les démons ailés, les démons à cornes. Tous les démons quoi. Toutes sortes de démons. Les démons salopes. Les petites démons salopes, hein, bien sûr, il y en a pas mal ceux-là. Qu'est-ce que c'est que cette touffe d'herbe là devant le mec là? Il y avait une bête dedans. C'est beau, hein, un petit peu de verdure dans ce monde desséché. Bon, après, on a le griffon. C'est-à-dire que s'il y a attaque de démon, on peut repousser. Mais on peut repousser les petits, quoi. Après, les volants, tout ça, mon griffon, je peux pas faire grand-chose, quoi. Alors, je peux pas faire grand-chose. Vous avez vu, hein. Le griffon, forcément, vous avez vu ses ailes, gigantesques. Donc il y a le potentiel que le griffon puisse voler. J'ai pas essayé tous les boutons, peut-être. Ouais, j'imagine, hein, j'imagine qu'il y a vraiment un bouton pour faire ça, quoi. Pour faire voler le griffon au-dessus de tout. Il fait mettre, ça y est. Le jeu est mort, quoi. Bon alors. Ici même. Petite avancée. On fait le gros muret tout de suite peut-être. Ça prend du temps de faire tout ça quoi. J'ai dit il faut jouer prudence. Niveau fric, on est bien, on a la bourse pleine. Jusque là. Alors j'aurais dû retourner jusqu'au mec qui. Non, c'est maintenant qu'il faut que je retourne voir le mec, justement. Qui donne le fric. Mais il faut en dépenser un peu de fric aussi. Ça serait pas mal. Étant donné que on est limité en pièces, on voudrait pas les voir voler. Allô, surtout pas. Pas maintenant quoi. Des bons travailleurs. Disciplinés. Mais mettez une flèche dans le cul du cheval là. Vous pourrez bouffer du cheval ce soir. Voilà, ça, on va dire que c'est bon à peu près. On l'améliorera, mais peut-être plus tard. On va dire que là, ça va tenir. Tant qu'on n'a pas une vague de lune ensanglantée, je pense que ça tient. En revanche, on ne s'est pas occupé des recrues. Donc là, ça veut dire que tous les pains là ont été bouffés. Mais bon, c'est pas si grave parce que il nous faut quand même ces recrues. Donne la pièce. On est un peu limité, donc... Donne le fric. Merci bien. Est-ce qu'on n'a pas encore un mendiant? Parce que regardez, il n'y a plus. Il n'y a plus un pain. Et là, on peut pas se permettre de mettre du fric dans le pain, quoi. Le gouffre. Je regarde quand même s'ils n'ont pas du fric oublié, un truc, quoi. Hé, hé. C'est une pièce, mais ce n'est qu'une pièce, mais c'est quand même une pièce. On était où à droite? On est loin du portail ou pas? On a le camp de recrue direct. Bah direct, attention. Hein. Il y a de la route quand même, mais... Surtout que ça va être la nuit, il y a des chances qu'il se fasse bouffer le cul.
Bon, je vous laisse, vous, hein, vous gérez, vous avez votre tourelle. Alors, on pourrait augmenter celle-ci, hein. La mettre à 4 4 bons hommes, hein. Dans cette tourelle pour vraiment la mettre au maximum. Mais vous avez vu le fric que ça demande. J'ai pas trop les moyens, j'ai pas les finances là, les mecs. Ouais, les fermiers. Posez cette faux tout de suite. Et prenez-moi un arc. Ah, il faut renvoyer le mec aussi, j'ai oublié de le renvoyer. Zut. Zut, flûte. On peut le renvoyer là, mais non. Parce que c'est la nuit. Connard. À peu de choses près. Hein. Si j'avais réfléchi. Mais bon, j'évite au maximum. Hein. Après, ça fait un mal de crâne épouvantable. Quoi, il y a un arc là? Tout seul. Une ancienne attaque de démon. Hein. Parce que là, on n'a pas pris assez de fric, si? Ah non, on n'a jamais assez de fric. Ah zut. Alors peut-être qu'ils peuvent faire ça. Ils vont faire ça. Mais ta pièce, n'aie pas peur. Mais... J'ai la bourse glissante aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Bon, le mur est tien. S'inquiète pas, pas encore. Ah, c'est con de voir un arc là tout seul par terre. Ça fait mal au cœur. Ah non, mais sérieux, le griffon quoi. Je suis à 2 mètres du mec. Bon, là c'est le moment où on va commencer à se faire chier, mais non. Parce que on a quand même du fric dans la ville. Un peu. Certainement pas suffisamment, mais un peu. Ça se passe bien chez vous? Mais... Ouais, j'allais dire d'où vous sortez ce fric, mais c'est les travailleurs. Ils viennent de couper des arbres et les mecs ont ramassé de la thune sur le passage, quoi. Ouais, ils se jettent dessus directement. Est-ce qu'on a le temps? La réponse tout de suite. Bon, on a le temps, hein. On a le temps de faire un muret équivalent à celui qu'on a juste derrière, je pense. On pourrait, j'ai envie de faire cette tourelle, hein. De toute façon, toute cette avancée, c'est pour faire cette tourelle, donc... plus qu'une envie, je pense que c'est un besoin. Encore une fois, hein, j'aurais pu regarder le jour, hein, où je me suis rendu compte que c'était la neige, donc l'hiver, et regarder combien de temps allait durer l'hiver. J'aurais pu faire ça. Mais imaginez quoi, ça aurait voulu dire que je suis malin. Non. Personne n'est dupe quoi. Bah, dépêchez-vous quand même, hein, parce que ça va être la nuit là. C'est vrai que je vous ai demandé ça tard quand même, mais bon. Oh non, ça va bien se passer. Faut aller. Faut retourner là, non? Ouais, c'est ça, faut retourner à la maison. On reste là, on est avec eux, ils sont contents, hein, je pense. Hein. En tout cas, personne ne se plaint. C'est déjà une bonne nouvelle. Bah si, il y en a un qui se plaint dans le lot, mais il est sur un dos de griffon. Alors ça, c'est un autre sujet, hein, merde quoi, on n'en parle pas, chute. Le travailleur, j'allais dire, reste pas là quoi, reviens. Pas le con.
Non mais il est chaud le travailleur parce qu'il se met derrière devant la toile. Il fait, mais venez les démons, venez. On vous casse la gueule, venez. Il s'est vite ravisé hein, quand il a vu tout le monde arriver. Mais quand même. Beau geste hein. On a plus que deux travailleurs ici ou pas? Parce que si je demande de faire cette tourelle, est-ce que vous, vous arrêtez ce que vous faites et vous venez faire ça? Bien sûr. Vous êtes pas un peu con quand même. Ah non mais c'est bon. On avait Jean-Louis à la catapulte. En revanche, Jean-Louis, fais gaffe, il y en a un qui a pris ton poste. Hein. Je te laisse travailler vite fait. Voilà, tu montres un peu aux petits jeunes comment on construit le muret d'exception. Mais voilà, fais attention quand même quoi. Les petits jeunes... peut vite te bouffer ta place. Hein. Kevin. Ah, les jeunes, ils s'appellent toujours Kevin. C'est bien connu. Alors, voilà, on arrive à ce problème-là où on n'a pas de sous. Mais quand on voit ce magnifique mur, cette muraille, hein, défensivement, c'est magnifique, c'est puissant. Et cette petite tourelle de merde en bois à côté, c'est... on se respecte pas. Comptable ? Comptable ? J'ai une petite question. Par rapport à la profondeur de notre cache à trésors. Comment ça se passe? Non mais il me reste deux pièces, vous êtes deux. On va faire comme ça. Hein. Je suis vraiment un bon roi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a toi. Je t'oublie toi. Alors c'est pas grand chose, hein. Regardez quoi, c'est quoi? 3 et 3, 6, 7, 8, 8 pièces quoi, 9 pièces. C'est pas fou quoi. On voit qu'il y a encore de l'or derrière. C'est... ça va. Tiens, il n'y a plus d'arc. Ah, c'est un peu gênant parce que j'ai besoin de mon fric là. Alors, je mets le quatrième arc. Là, je lui redemande du fric. Hé ! C'est bien. Tu sers bien ton roi. Alors lui, on le suit. Mais pourquoi il n'avance pas ? Il s'arrête à ma position, c'est marrant ça. Non, c'était juste... c'est juste le hasard quoi. Il a juste ralenti au moment où je suis passé à côté de lui. Et là tu vas. Là tu vas, on perd pas de temps. Hein. Là il. Optimiser au maximum. On s'occupe pas tellement de la droite, mais on est confiant avec les mecs de droite. Et là ça a l'air de rien, mais depuis le début, là, on a rajouté une douzaine d'archers. Hein. Vous l'avez pas forcément vu, parce que moi, j'ai fait une petite... voilà, avant de démarrer la vidéo, j'ai recruté 4 mecs. Mais ça veut dire que ma force de frappe a largement augmenté. Largement, bon, peut-être je m'emballe. Mais, bon, voilà. Vous avez compris, quoi. Je n'ai plus peur de rien. Sortez de votre portail démonique. Venez. Venez affronter le roi. Et sa troupe de sbires, bien sûr. C'est plus eux, hein. On le sait, mais je suis moi le roi. Jean-Louis, catapulte, t'as déconné. Ah, tu étais trop en stress, hein, Jean-Louis. Ça s'est vu tout de suite. Les archers. C'est vraiment du bon boulot, ce que vous faites. En revanche, niveau économie de flèches... faut qu'on en reparle. Hein. Comme d'habitude, vous balancez 10 flèches sur un seul démon. On sent que vous en voulez, mais on va devoir en parler quand même. On va devoir désigner un de vous qui sera le porte-parole. Le voilà. Le délégué quoi. Il est où le délégué du personnel? Ici. Il va falloir ressaisir tes troupes, mon gars. Oui. Oui, c'est à toi que je parle. Ça y est, c'est toi.
C'est toi là, bah tu bouges pas, t'es là, tu me regardes, c'est toi. T'en vas pas quand je te parle, fumier. Belle tourelle, hein, belle tourelle de clodo là. Faites mieux, hein. Plus haut, plus grand, plus beau. Et plus vite aussi, ce serait pas mal, plus vite. Bande de feignasses, on est où? On en est où la bourse? Ouais. On fera pas la suivante. Avec ce qu'on a dans les poches, on fera pas la suivante. Bon. Alors mon plan aussi, il est foireux. Attention, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que là, comme je reprends en plein hiver, j'en ai parlé vite fait à l'épisode précédent. Je me suis dit, de toute façon, le prochain épisode, on sait, c'est pour buter du démon. C'est pas vrai. J'avais dit ça, l'hiver n'avait pas commencé, donc je ne savais pas. Mais bon, comme d'habitude, je m'emballe. Donne des pièces, toi. Mais au-delà de ça, après j'y ai pensé de mon côté, je me suis dit oui, c'est pas déconnant, tu vas démonter les démons là pendant l'hiver, on s'en fout. L'hiver, l'été, l'automne, sur la terre, sur la mer, peu importe. Mais il s'avère que j'ai peut-être sous-estimé les démons, ou peut-être surestimé, hein. Je pense que je les ai plus surestimés. Mais je me dis, si on fait une attaque de portail et on se tape la contre-attaque, si tout se passe bien, bon bah voilà, je suis un génie, applaudissements, tout ce que vous voulez, un petit doigt dans le fion, voilà, c'est selon. Mais voilà, tout plaisir est bon à prendre. Si ça se passe mal, ils ont, comme j'ai dit, ils ont d'autres tourelles derrière, d'autres murets hein, derrière, ils vont pouvoir backdash et pouvoir finir les démons, je l'espère. Mais quand ça se passe comme ça, souvent, voilà, il y a la moitié des troupes qui est décimée, ils sont là, mais ils sont clodo. Donc on balance nos petites pièces comme ça, là va vite, on recrute, on retourne à la ville, on fait archer sur archer, mais pour ça il faut du fric à gogo. Et si on gère pas une contre-attaque, c'est la mort. Parce que s'ils me défoncent ma troupe, la moitié de ma troupe à gauche, admettons, je n'ai pas le fric pour recruter la moitié des gars qui sont morts, ou qui sont sbires, moins bien que sbires. Et après la vague suivante, bah on est toujours dans la galère. Parce qu'on a reculé, on a moins de troupes. Est-ce qu'ils vont savoir gérer les petites troupes classiques, les vagues d'ennemis classiques, s'il n'y a pas tous ces archers? Là est la question. Mais je pense que en disant tout ça, c'est parce que voilà, le manque de confiance en moi, le manque de couilles. Voilà, j'en ai posé deux sur la cheminée là, pour ma femme. Bon, il m'en reste deux, tout va bien. Mais quand même, voilà, on sent le manque de couilles. Ils s'en sortent bien, quand même. Bon. Est-ce que j'ai assez? Espérons. Ça va être juste. Ah ouais. C'est un poil trop juste. Alors, c'est dommage, il me manque que deux pièces, mais personne n'en aura. Hein. Ah si! Alors attention, hein. Le plan, quoi. Il manque deux pièces, alors qu'est-ce que je fais? J'en dépense 12. Encore une fois, hein. Le génie, quoi. Le génie. Après, voilà, c'est compliqué à expliquer, quoi. Donnez! C'est tout, mais il est où mon fric? Mais bande de petites salopes, il est où mon fric? Donnez mon fric! Personne n'a de fric, quoi. Voilà. Attention, est-ce que j'ai gagné du fric dans l'affaire de mes arbres? Eh? Voilà, j'ai défoncé une douzaine d'arbres et on a gagné 3 pièces. Et du coup, suffisant, hein, suffisant pour faire cette tourelle triplée. Alors comme c'est, j'en ai parlé, c'est le côté gauche et c'est celui où on va renforcer le maximum. On aurait aimé une tourelle 4, ce côté-là. 4 sbires dedans, 4 archers. Et ça aussi, on aurait aimé l'améliorer. C'est compliqué, hein.
C'est compliqué parce que là, mon but, ça serait, je voudrais aller attaquer à droite. Maintenant, je me dis, on est prêt. À peu près, on est prêt. Même si j'ai des craintes, je vous en ai parlé là juste il y a 2 secondes. On va se respecter, on va se dire on y va. Et pour ça, voilà, faut un petit peu de fric. Et là, je crois qu'on vient de, on vient de finir les dernières piécettes. Et en plus, on a des gars qui bossent, bah, qui bossent pas là. Donc, on voudrait mettre des arcs. Ah, c'est un problème, hein, tous ces choix cornéliens. Bon, toi, déjà, t'es tout seul. T'as pas d'armes, tu te balades dans le camp, là, je ne veux pas voir ça. Ensuite, toi. Dépêche-toi avant que ça soit la nuit, là, parce que quand c'est la nuit, je sais pas, tu veux pas. Étonnamment. Eh, va. Impressionne-moi, va. Bon, est-ce qu'on a du fric quelque part ici, là? Quelques piécettes, hein, j'en demande pas beaucoup. Et combien on a de samouraïs à droite aussi. C'est intéressant de le savoir, ça. Rien. Non, rien. Voilà, j'en ai parlé, hein. Vous avez vu, mon griffon se nourrit sur le pont. Entre deux planches du pont, là, il a trouvé une bestiole. Alors, pas un insecte, hein. Vous avez vu la taille de la bestiole. C'est impressionnant, un griffon, hein. Bon, c'est magique. C'est magique. Quand vous connaissez rien à la magie, forcément, c'est impressionnant. Mais pour les mecs comme moi, qui fait des expériences dans sa cave, ça ne m'impressionne plus. Voilà, Jean-Louis, la catapulte. Nerveux, hein. Vous avez vu ce jet de catapulte gigantesque? Alors, en revanche, ah si, il y avait encore du monde derrière. Bien joué, Jean-Louis. Mais on n'a pas une vue sur tout, hein. Toi, je sais pas, tu. Bon, il. Jean-Louis, il n'a qu'une tâche, hein, c'est de tirer sur le levier, on en avait parlé. Mais il a une vue. Il a une vue impeccable. Allez, merde. Alors, deux. On a que deux samouraïs à droite. Ça va suffire, hein. Pas de panique, ça va suffire. Mais je pensais qu'on en avait trois. C'est le moment, hein. C'est le moment où peut-être, là vous venez de vivre peut-être le moment où j'ai déconné. L'hiver, on fait rien, on fait que subir, il faut pas attaquer, hein. Faut pas être con. Alors toi. Ah, disons que tu pourrais peut-être être utile, toi aussi. Je sais pas si ces pièces sont bien rentabilisées dans ces deux mecs. Hein. Mais bon, on va dire que c'est bon. Parce que là, on se dit que les samouraïs, c'est bon, ils ont pas besoin de nos pièces. Attendez, je peux faire des coups d'aile là quand ça arrive? Bien sûr que je peux, hein, mais la question c'est est-ce que ça va être utile? Est-ce qu'il va finir par prendre une flèche ou non? Voilà, c'est quand même le samouraï qui se le fait, quoi. Bon, alors les archers, hein, comment dire? On s'était posé la question sur leur puissance, hein. Le fait qu'ils bandent un peu plus l'arc, ils ont un peu plus de biceps. Est-ce que ça augmente la vélocité de nos flèches? Et visiblement, c'est le cas, hein, parce que ils ont défoncé le portail en 2-2, hein. Ah, le road démon! On n'est pas surpris, mais on espère ne pas voir l'haleine du démon arriver. Bon, maintenant, la grande question. Parce que, bon, on rigolait bien sur ce chien, mais là, ça fait un moment que le chien est buggé, on l'a plus. Bon, on s'en fout un peu. Mais il me donnait des indications quand même. Droite, gauche, peut-être. Il me donnait souvent l'indication. C'est peut-être à droite, c'est peut-être à gauche. Bon. L'utilité était limitée, mais on reste là un peu à droite, je sais pas, hein. Finalement, droite comme à gauche, ils ont les mêmes défenses, hein. La triple tourelle protégée, hein, des volants, parce qu'on va avoir des volants, plus muret.
Et Muret derrière, non loin. Bon, ils sont masqués, hein. Là, on va avoir beaucoup de masqués. Ah, là, ils ont beau être masqués, bon. Jean-Louis à la catapulte, il n'en fait qu'une bouchée, hein. Voilà, petite vague. Gentillet. Normalement, ça, c'est l'heure d'œuvre. Normalement, c'était l'heure d'œuvre. Mais le jour se lève. C'est fou, ça. Attendez. On n'a pas eu le... Et il est où, le soleil? Il est à gauche, il est à droite, il se lève, il se couche. Non, mais c'est la nuit, déjà. Attendez, comment ça se passe? Attendez, là, c'est pas normal. Il y a eu un bug. Parce que normalement, on subit. Et là, c'était une vague classique. Ah, mais non, mais lave-la! Lave-la, la vague de merde! Ah, j'allais recruter ces deux mecs-là, mais... on n'a pas d'arc et on a déjà des clodos dans le camp. Bon, maintenant, me v'là à gauche. Ouais, le muret, il est pas augmenté, ici. On a un peu peur, mais... Alors? On a vu personne, merde. Ah, peut-être qu'ils ont vu quelqu'un, mais c'était bien avant. Ah, mais on loupe toujours toute l'action, c'est quand même hallucinant, hein. Bon, déjà, le jour se lève. Le jour se lève. C'est que tout se passe bien. Bon, disons qu'on avance. Et vous avez vu, la nuit n'a pas duré. Parce que... bon, allez, je vous recrute quand même. Ah oui, mais toi. Vas-y, hein, c'est super important. Parce que des fois, quand la vague de contre-attaque est un peu plus longue et que les gars galèrent, elle s'empiète sur la journée parce que... T'as pas du fric? Il est où, lui? Il est où, comptable? Il est où? Il est là. Et du coup, quand ça empiète sur la journée, voilà. Quand la vague est finie, le soleil est en plein milieu. Mais là, non. Là, ils ont géré la vague de démons comme des dieux. Donc, ce que je disais juste avant, beaucoup trop d'inquiétude. Beaucoup trop. Bon, maintenant, ça sera la question du prochain épisode. On va s'arrêter là. Je pense que sur la suite de l'hiver, je vais le finir tout seul de mon côté. On va voir, hein, peut-être pas, mais... Et pour dire de pouvoir avancer un peu. À moins que je rattaque directement et je me dis rien à foutre. Et on continue dans cette lancée. C'est-à-dire qu'on refait une attaque à droite. Parce que là, le portail était là. Et l'autre portail final, donc, du ponton, n'est pas loin du portail qu'on vient de dégommer. Donc je pense qu'ils ont largement le temps de faire ça en une traite. C'est-à-dire, on les balance juste après la vague de nuit. Les mecs ont le temps d'aller jusque là-bas, défoncer le portail avant la nuit. Et comme ça, moi, je les envoie à droite. Et je me dis, bon, ben, bonne chance, good luck. Et nous, on va directement à gauche. Parce que là, on saura que l'attaque vient d'à gauche. Et comme ça, on pourra voir vraiment... Une vraie contre-attaque, voir des petits, des gros, des moyens. Voilà, des démons avec des cornes, tout ça, quoi. J'en avais parlé. Mais là, je suis quand même étonné. Hein. Je pense qu'il y a eu un petit bug. Parce qu'on a eu une vague de nuit classique juste avant. Et après, on a eu la lune ensanglantée. Bon, on n'a pas vu. On l'a pas vu, finalement. On a vu la lune ensanglantée, mais on n'a pas vu la vague d'ennemis qui était associée à ça. Mais je sais pas. Ça m'a paru aller vite. Après, comme j'ai fait beaucoup d'archers ces derniers temps, peut-être que le délire, c'est ça, quoi. C'est que les mecs sont boostés, à un moment, faut arrêter de chier dans son froc et faut les envoyer à la bataille, quoi. On a vu ça, c'est une stratégie qui paye. On va continuer, hein, sur cette lancée, je pense. Attendez, j'ai le mec pour le fric. Avec son poney.
Ça mule. Ah ouais, non, il m'a pas donné le fric parce que je suis arrivé trop tard. Sale con. Ouais, voilà, il faut dire les choses, hein, des fois. Donc oui, petite vidéo, hein, petite vidéo, mais des fois, ça fait du bien. Faut pas pousser. Et encore une fois, petite vidéo pour moi. Pour certains, peut-être pas. Ah, le griffon, merde quoi. Je t'aime bien, hein, griffon, mais mange un truc quoi, s'il te plaît. Si tu peux pas courir, mange. Je t'empêche pas de manger, t'y vas quoi. Tu manges à ta faim et après on court. Encore une fois, le mec se plaint alors qu'il est la seule monture qui se nourrit pendant l'hiver. Non, mais on va continuer comme ça. Les troupes sont nombreuses, elles tiennent. Il faudrait peut-être avoir quelques piécettes en plus pour redonner au samouraï de droite. Mais on a vu deux samouraïs à droite, c'est suffisant. En tout cas, pour ce qu'ils ont à faire là, ça sera suffisant. Donc oui, je vais rester sur ce plan-là. Prochain épisode. On attaque directement le portail de droite. Directement, on renfloue les samouraïs avant. On attaque le portail de droite. On subit l'attaque à gauche. Et on serre les fesses pour que ça tienne. Et si ça tient, bah limite on attaque à gauche aussi, quoi. Bon, il faut quand même payer. Bon, il faut quand même payer la bombe. Ce qui n'est pas rien. Après, on aura deux samouraïs quand même qui viendront, hein, donner un coup de main pour aller dans le portail démonique. Mais tout ceci, ça sera une autre histoire. En tout cas, comme d'habitude, merci d'avoir regardé et à bientôt. Allez, salut!